Déterminer des données au pays des médailles au 9e jeu de la francophonie, même si le gouvernement RD congolais n'a pas encore décaissé les frais pour la préparation de certains athlètes. Les athlètes de la FEACO, la Fédération d'athlétisme de la République démocratique du Congo, et officiels de cette discipline, mère des disciplines sportives, arrivent déjà sur Kinshasa. Et ces derniers ont été visités par Bienvenue Matinda, président du comité exécutif de la Fédération d'athlétisme de la RDC, sur les lieux d'entraînement de circonstances, esplanade du Palais du Peuple, dans la matinée du jeudi 13 juillet. À quelques jours du démarrage des 9e Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, les athlètes de la Fédération d'athlétisme du Congo se préparent avec les moyens de bord pour bien défendre les trois couleurs du drapeau national. Pour ce, le président du comité exécutif de la Fédération d'athlétisme du Congo, FEACO, Bienvenue Matinda, s'est rendu ce jeudi 13 juillet 2023 au site de l'entraînement devant l'esplanade du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala. Question de s'enquérir de la situation. Le numéro 1 de cette structure a écouté les doléances de ses poulains et du staff technique liés à leurs conditions de préparation de ces banquets mondiaux. Le président de la FEACO s'est dit que le moral des fauves. Que le moral est très haut. Ce sont des gens, les athlètes qui sont très déterminés. Et je sens que le résultat sera là. Nous nous sommes dit que, comme les échéances sont là, le pays attend beaucoup de nous. Je pense que nous sommes déterminés à les encourager. Et je sentis en eux qu'il y a la compétition dans les jambes. Ils réussiront certainement. Il a promis d'encourager les athlètes qui vont obtenir les médailles d'or pour la RDC. L'athlète qui aura la médaille d'or, comment non seulement le gouvernement qui va prendre en charge, nous aussi nous allons nous déterminer pour marquer quand même les athlètes que prochainement, celui qui fera mieux. Parce que nous avons les Jeux olympiques à Paris au mois de juin, je pense. Hein, et donc nous avons l'obligation d'encourager certains athlètes à faire le mieux. Celui qui fera l'essentiel, la médaille d'or, moi-même je sais ce que je vais faire de lui. Confiance. J'ai confiance au gouvernement. La confiance fera l'essentiel avant la compétition. Je suis sûr et certain que la prise en charge sera là. J'ai confiance aux institutions de la République. Le ministre du Sport est déterminé, il travaille d'arrache-pied pour que les moyens soient mis à la disposition des différentes fédérations et la nôtre en particulier. À noter que le comité fédéral de la discipline mère se bat pour une préparation adéquate.